Alors, pour mieux comprendre les enjeux de ce conflit, on joint tout de suite Thomas Junot, expert en sécurité nationale et professeur à l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous, M. Junot. Merci à vous. Dites-nous, on va rebondir un peu sur ce que notre collègue Raymond vient de dire. Qui finance le Hamas? Alors, la question du financement du Hamas est assez complexe parce que c'est un financement et des sources de soutien diversifiées. Mm-hmm. C'est sûr qu'en haut de la liste, il faut mettre l'Iran, surtout au niveau du soutien militaire, du matériel militaire, du soutien technologique, mais aussi des conseils, de l'expertise qui va avec, le renseignement, puis aussi un soutien financier. Alors, au cours des dernières années, on a vraiment vu l'Iran prendre de plus en plus de place dans les territoires palestiniens, et aujourd'hui, c'est l'Iran en haut de la liste. Mais la liste finit pas là. Il y a des donateurs privés, par exemple, dans les pays arabes du Golfe, au Qatar, en Arabie Saoudite. Ouais. Pas les gouvernements, attention, mais des donateurs privés qui aussi jouent un rôle. Il y a la Syrie aussi qui a une relation assez proche, pas toujours facile, mais assez proche avec le Hamas. Ouais. D'où le questionnement par rapport au rôle de l'Iran dans le début des attaques, dans ces attaques multiples qui ont commencé samedi. Alors, c'est certain qu'il y a un rôle important pour l'Iran, mais au niveau des détails, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Là où on peut s'entendre sur une base là, factuelle, c'est que l'Iran, comme on vient de le dire, fournit un gros soutien militaire, technologique, en renseignement financier au Hamas, et qu'en l'absence de ce soutien-là, le Hamas n'aurait pas réussi à faire une attaque d'une telle ampleur. Ça, c'est clair. Là où il y a un débat, puis on doit attendre d'avoir un petit peu plus d'informations, c'est quel rôle exactement est-ce que l'Iran a joué dans l'attaque qu'on a vue en fin de semaine? Est-ce que l'Iran l'a ordonné, l'a dirigé, l'a commandé? Ou est-ce que l'Iran a joué un rôle de soutien, mais que les décisions elles-mêmes étaient prises par le Hamas? Ça, c'est pas clair encore. À quel point elle a tiré les ficelles dans tout ça. On entendait, il y a peut-être deux semaines, le conseiller en sécurité de Joe Biden, Jake Sullivan, qui dire que la région n'avait pas été aussi calme depuis une vingtaine d'années. On en parlait un peu plus tôt, là, ensemble avec Emmanuel et Luc. Le gouvernement israélien a été pris, mais complètement au dépourvu, et personne n'a vu venir ces attaques-là. Complètement au dépourvu. Et puis, encore une fois, il faut attendre que la poussière retombe pour en arriver à des conclusions plus précises. Mais au minimum, on peut soupçonner qu'il y a eu un échec majeur du renseignement israélien. Mm-hmm. Moi, j'étais en Israël il y a juste un peu plus qu'un an. J'étais à la frontière de Gaza. Je suis allé voir le mur et ce qu'on me disait beaucoup au niveau du gouvernement israélien, des experts israéliens, des militaires à la retraite, c'est on sait ce qui se passe à Gaza. Et ça, c'était le message très clair que j'entendais. On a réussi à mettre un couvercle sur la situation à Gaza et on peut la gérer. Et donc, je pense que cette fausse conclusion-là a mené à une certaine forme de complaisance là, du côté d'Israël. Ouais. C'est dur à expliquer, puis effectivement, ça va prendre sans doute des mois, des enquêtes et tout, mais j'entendais que c'est vraiment une défaite de l'intelligence et de l'imagination. Et quand on y pense, Benjamin Netanyahou, il est là depuis quoi, 15-16 ans, c'est Monsieur Sécurité, là. Et pour les Israéliens, c'est fondamental dans la situation géographique, politique dans laquelle ils se trouvent. Ils doivent se sentir en sécurité chez eux. Et c'était une sorte d'assurance, Netanyahou, de ce côté-là, en tout cas. Alors, il y a eu, comme on vient de le dire, très probablement un échec au niveau du renseignement israélien, mais au niveau de M. Netanyahou, personnellement, il y a un échec et un échec monumental. Mm-hmm. Et on va voir au cours des prochaines semaines et des prochains mois quel impact ça aura sur sa carrière. Mm-hmm. Ne jamais le sous-estimer. Il est un des meilleurs combattants politiques là, de sa génération. Mais en même temps, M. Netanyahou, comme vous dites, a construit sa réputation comme étant le seul qui est capable d'assurer la sécurité d'Israël et non pas ses adversaires. Et sa stratégie pour faire ça, c'était de donner le message que la situation est contenue, qu'on peut balayer le conflit avec les Palestiniens en dessous du tapis et se préoccuper d'autre chose. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est que c'était comme approche complètement un échec. Oui. Pourquoi cette offensive du Hamas maintenant? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est pas clair, ça non plus. Il y a un débat à avoir et puis avec plus d'informations, on pourra répondre plus précisément. Une hypothèse qui circule beaucoup, c'est que le Hamas, via l'Iran,
a voulu saboter les discussions entre Israël et l'Arabie saoudite pour normaliser les relations entre les deux. Moi, je suis un peu sceptique, mais c'est une hypothèse qui circule. Mm. De façon plus large, pour moi, le Hamas agit principalement selon ses intérêts très locaux et non pas dans la poursuite d'objectifs régionaux plus larges. Mm. La situation à Gaza était intenable depuis plusieurs années. C'était clair que ça allait exploser à un moment donné. Ouais. Le statu quo là, était beaucoup trop tendu. Mais pourquoi en fin de semaine exactement, ça, c'est pas clair encore. Ouais. En 15 secondes, peut-être, votre vision des prochaines semaines, prochains mois? Les prochains jours, les prochaines semaines vont atteindre un niveau de violence et particulièrement à l'endroit des civils des deux côtés qu'on a rarement vu. Ça va être extraordinairement difficile. Et au-delà de ça, je pense qu'une réponse honnête, c'est que j'ai aucune idée où est-ce que ça va aller après ça. Là. Voilà. Je m'appelle Thomas Junot, expert en sécurité nationale, professeur à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour ces explications et cet éclairage. Merci à vous. Au revoir.